Ah, écoutez-moi ça. Il faut dire que j'ai connu ça sur PS3. Ce n'était pas forcément très beau. Eh bien, salut à tous, c'est Dragirec et aujourd'hui, nous jouons à Wolfenstein The New Order de Bethesda. Un magnifique jeu, franchement. Je vous le conseille, il vaut combien? Entre 10 à 15 euros. Je comprends pas pourquoi, mais pourtant, c'est un très très bon jeu. Ah, écoutez-moi ce son. Magnifique. Non, franchement, magnifique. Très 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 beau jeu de Bethesda. Même si j'ai pas aimé le deuxième qu'ils ont sorti. The Old Blood, il me semble. Oui. Bon, sans plus attendre. Ah oui, ça, par contre, je me rappelle des chargements, c'était assez long sur PS3, ça pouvait durer une bonne minute. Enfin, bon. Donc, il faut dire que j'ai déjà joué au jeu sur PS3, mais sur PS4, je n'ai pas encore joué. Je le joue exclusivement pour vous. Je l'ai acheté exclusivement pour vous parce que j'aime bien ce jeu. Amenez-vous en ce moment en mode normal. Ça va pas être trop dur. Bon, je me tais. Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Ok, on est dans un... Ah, je me rappelle. Putain, c'est beau. Ça a rien à voir avec la PS3, franchement, les gars. Oula. Ah, ça fait bien un an que j'ai pas joué, mais je me rappelle que les tutoriels étaient vachement beaux. Ouais, il y a pas mal d'avions qui s'abattent, hein. C'est la merde. Ok. Il fallait appeler une fois ou... Ah, il me faut le matériau. Putain, je suis... Faut que je me dépêche parce que là, ça brûle. Oui, je comprends, je comprends. Ah! Oui. Ça, ça brûle. Ah, je perds ma vie. Au point, capitaine. Mais je perds de l'altitude. Faut qu'on lâche de l'est si on veut pas faire un plongeon fatal. Oula. Je vais où déjà? Là. Attends. Putain, mais ça a rien à voir avec la PS3, franchement. Je peux pas aller. Ah oui, c'est vrai. Attends. Ça. 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 Allez hop, tout au moins. Non! Tout le matériel tombe. Ah oui, on est quand même assez bas. Bonjour? Oui, je fais le lâcher. Par contre, il y a un truc, ça va pas le faire tout de suite. Hein. On changera ça après, mais la maniabilité, c'est pas très très bien. Ok, je retourne. Oh putain, j'avais oublié ça. Putain, le con, il m'a fait peur. Salaud. Ouais, il y a le complexe du boucher. C'est ce que j'en dis, moi. C'est que j'ai faim. Attends. Excusez-moi, monsieur. C'est un vagin, ce truc. Oula. Ah, oui. Bonjour! On va pas se faire des schmoutes! Ah, j'adore ce jeu. Je t'apprends à me tirer dessus, salaud. C'est ça les fameux nazis? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'ils étaient bien plus violents avant. Ils sont où là? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, pas l'avion. J'ai un trophée. Non, ça c'est. Il y en a partout, il y en a partout. Ah!
Nine. Ça vibre à mort là. Oula. Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, on va s'écraser. C'est pas avec ce vieux coucou que je vais faire quelque chose là. Abat-moi ça, abat-moi ça. Non, ça c'est des amis. Oula. Ah oui, c'est vrai. Ah, et tu fais mal, mec. J'ai une guerre à gagner. Tu peux relancer mon cœur, s'il te plaît? Aïe. Je t'ai pas demandé de me tuer. C'est bon? Merci. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Oula. Il vole un peu près, lui. Ils sont trop chelous les avions américains. Ils sont méga beaux. C'est de toute beauté. Excuse-moi. C'est pas très très aérodynamique, hein, je veux dire. Voilà. Mayday, mayday. On va s'écraser. Alors je rappelle que je joue avec le son de la télé assez bas. Du coup j'entends pas forcément ce qu'ils disent. Oula. Faut s'écraser un peu lui. Oula, on tombe. Oula. Please. S'écrase les amis là, ils nous abandonnent les gars. Et oh les gars, moi je veux pas crever. Ah, c'est un hydravion le truc ou quoi là? Elle m'amène, t'es là? Attends, il écrit quoi dessus là derrière? C'est quoi, c'est un triangle illuminati? Amen. Amen. Ouais, ben je veux bien ouvrir. Wow, et moi je fais pas ça hein. Et toi tu vas tout seul. Par contre tu vas... Ah tu pilotes pas. Ah bah nique ta mère. J'avais carrément oublié ça. Et je suis pas mort. Parce que je suis un américain. America, fuck yeah. Voilà, 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 voilà. Passe-moi ta main. Ah, bah j'espère que tu me tiens. Ah bah ouais, mais je t'avais dit que je suis le seul. Non, 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 non. C'est ça, aide-moi. Toi, il me semble que tu vas crever. Spoil. Tu vas crever, toi. Oh, la tête de cul que t'as. Quel est le plan, capitaine? C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. Ouais, j'ai le talent pour les bonnes paroles, tu vois. Je prêche la bonne parole américaine. Ça ressemble à quoi ta tête? Oh putain, oh les yeux. Toi t'as pas dormi depuis 5 jours toi. Ouh. Toi là. Qu'est-ce que tu regardes? Et c'est pas ton cul qu'il faut regarder hein. C'est la guerre mon gars. Toi t'as une belle tête. Et tu vas tellement crever. Vous allez tous crever d'ailleurs. Bonne dent. Oh attends. Oh merci. J'ai rien dit. Hein. Vous êtes très très sympa. Oh putain, j'y croyais plus. Oh merci. Ça va, c'est agréable le siège en métal comme ça là? Et le monoxyde, connard. Très 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 beau. Oui oui, tu me jettes qui? Oui, c'est bon, je te relève. Allez. Voilà, tiens. T'es quoi, t'es le pilote toi? Bah fais ton boulot. Là, je vois plus rien là. Attends, il me fait mettre la première. Magnifique jeu en tout cas. On voit la différence PS3, PS4.
Ah mais il est mort. Ah. Oh oh. Ah, chargement. Nous sommes le 16 juillet 1946. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Oh oh. Holy. Non, 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 non. Goodbye. Non, 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 toi tu dégages. Ah, toi je t'ai tellement détesté dans le jeu. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer la caisse. Please. Ah oui, c'est vrai, je peux la cut. Non, si. Il est où mon couteau? Un couteau, s'il te plaît. Fils de pute. Je l'ai récupéré? Non. Un couteau, s'il vous plaît. Oh, toi là, t'as pas. Je peux pas prendre la barre là. Je sais que si je m'approche trop. Oh! Très très beau champ de bataille, vous pouvez voir. Là en fait, faut que j'aille là-bas là en haut. Attendez, Putain, où est le couteau s'il te plaît? Où est le couteau s'il vous plaît? Un couteau. Non mais. Non mais, c'est pas possible. Tape avec tes mains. R2, non, rond, non, non, non. Pff, j'ai tout essayé. Excuse me. Ah bah là, mais je suis vraiment con. Fergus, où t'en es de ton côté? Lascovitz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Ok. Le mec ne panique pas. Lasco, est-ce que tu la vois? D'accord. Putain, je déteste ces toutous. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle bien, ce connard. Excusez-moi, un couteau. Ah bah voilà, c'est maintenant que tu sors ton cure-nez là. Ton cure-dent. Merci. On part. Nope. Au revoir. Oh. Alors ça, on va se blinder de vie avant de partir. Ouais, bah t'aurais dû le buter, ouais, il y a longtemps, ouais, t'as raison. Référence à The Old Blood, je suppose. En même temps, j'ai pas fini ce jeu. Par contre, je vais crever. Ah non, c'est une mine. Ouais, non, pas la mine antipersonnelle. Ah, je crève là. Excusez-moi. Ouh, lui, non. Non, 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 non. Je peux pas, genre, nager plus vite? Non, même pas. Putain, je suis bloqué par un mur invisible. Là, là, en haut, là. J'ai oublié, je vais crever. Ah! C'est... Putain, il a un bon souffle. Hein. Faut pas être à se mettre. Ouh oui. Surprise, motherfucker! Ok, oui, le deuxième, lui. Putain, mais c'est trop facile. C'est tout? Attends, mais sur PS3, il fallait 4000 balles pour les buter. Ou alors, c'est que je suis un dieu. Ouais, ouais, ta gueule, attends, je veux voir le tout. Oh, regardez-moi. C'est magnifique. Assez Oma Beach, mais en plus différent, ouais. Bon, écoute. Il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étreper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Ah bah ça m'a pas l'air si dangereux que ça, parce que elle a pas l'air de te voir la mitrailleuse. Je te tiendrai informé depuis la position. Oh, un marshal. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture? Bonjour la mitrailleuse. Eh regarde, je suis là. Tiens-moi dessus.
Vous avez vu, il y a aucun danger, les gars. Non, c'est bon, vous pouvez avancer, hein, elle est neutralisée, elle est bigleuse. Oh, lui. Oh non, oh putain, il faut que je me dépêche avant que lui il arrive. Aïe. C'est un film Michael Bay ou c'est un jeu Call of Duty? Ouais, excusez-moi. C'est pas là. Il faut vraiment charger ma sensible. Attends. Un petit gilet par. Ouh, je les avais pas vus eux. Excusez-moi. Attends, attends. Non, c'est pas. On a Dama. Coucou. Il a pas mal de temps. Voilà. Elle était bien. Ouais, bah toi tu m'écrases pas. Hein. Connard. Ouais, 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 je vais te faire. Je... Alors. Attends. Putain, comment je faisais déjà pour me mettre à copie? Elle est un plus bas. Faut pas. L'aile. Il est pas mort. J'avais oublié ce petit détail. Très. Non, leurs armes sont bien meilleures que la nôtre. Y'a rien derrière moi. Est-ce qu'elle touche déjà pour changer d'arme? Non, c'était pas ça. Oh yeah. Oh, c'est bien bourrin ça. Excusez-moi. Bonjour. C'est ici la choucroute. Nine. Ah oui. Ah ça je vais aimer. Alors, comment je fais pour tirer avec les deux déjà? Oh, excuse-moi. Ouais, on va garder ça pour les boss. J'ai pas de balles. Mission, voilà, voilà. Excuse-moi. Je vais mettre ce gros machin. On se reverra plus tard, connard. C'est électrique partout, quoi. Ah ouais, c'est si, il y a des protections électriques, en fait. Mmh. Eh ben, excusez-moi de pas le savoir. Ah oui, il y a un ennemi, là. Wow, 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 wow. Arrêtez de s'enjailler, ma mère. Ça, c'est un avion américain, d'accord. Alors, alors. Tu m'avais pas vu? C'est vraiment con, hein. Je vais regarder si cette porte est bien blindée. D'ailleurs, c'est de là que je viens. Oui, bah, excuse-moi, toi, je t'ai vu, mais... Attends, attends, je vais faire un truc, j'aime bien. Non, mais je vais t'égorger, connard. Oh... J'aime bien les animations quand on les gorge. Oui, je suis un psychopathe. C'est qu'est-ce que ça? Attends, on pouvait pas les ouvrir? Attends, c'est ici, là. Voilà. Elle est désactivée ou... Soit c'est la lumière du soleil, soit qu'elle est méga chaude. Alors... Ah, c'est bien ce que je me disais. Ah, ok, comme ça. Fini. Ah, elle est démolie. Voilà, comme ça, quand je change d'arme. Ouh, c'est une petite grenade. Le chien. Lui, je m'en rappellerai toujours. Là, 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 je me balade. Et comme par hasard, il y a un mec. Oh, t'as fini de te planquer? Campeur. Ah! Il m'a pas vu là. Ah si, je crois qu'il m'a vu. Excusez-moi. Très très beau masque en tout cas. Je peux pas l'avoir ça? Ah! Voilà. Aïe. Ah bah c'est de là où je viens.
Oh non, 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 non. Non. Regarde, vas-y, mords-moi. Non, il faisait une animation quand il nous prenait par surprise. Ah non, 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 non. Voilà, merci. Peggy. Hey, il m'a fait un petit bonjour. Eh, bonjour mon petit. Tu patientes s'il te plaît. Oh, le con, il m'a fait perdre toute ma vie. Alors, ce que j'aime bien avec Bethesda, c'est que la vie est super bien faite. Elle est super bien parce que c'est par palier de 20 en fait. Du coup, bah, la vie remonte, mais pas trop. C'est pas comme un Call of où tu reprends toute ta vie à 100%. Là, faut. Et toi, tu m'attaques pas, hein. Moi, je suis dans la merde, hein, si tu m'attaques. Un peu d'armure. Oh. Je peux pas tirer mes grenades. Comment je pesais pour tirer mes grenades? Ah. Ah, y'a plus trop de nazis, là. J'aime bien les armes, mais je préfère mieux les armes de 1960. Mais bon, on n'est pas en 1960, on est en 46. Excusez-moi. Oh putain. Tu tues pas, toi. Oh, il est mort, mec. De là où je venais, et vous n'êtes pas en bateau. Ah oui. Oh, putain de dos. Est-ce que je suis un putain de gros lâche? Eh, j'ai un trophée. Oh, oh, coup de tête, mon gars. Le mec est mort sur le coup. Jean-Baptiste Moura. Excusez-moi. Qui m'a tiré dessus? Vous? Ah bah vous êtes mort, tu vois. Excusez-moi. Y'a pas des trucs un peu plus intéressants, s'il vous plaît? Oh, attends, j'ai un truc. Je sais jamais où c'est. Là. Non, on s'en fout. On s'en branle. Ah bah voilà, de la santé. Putain, la conserve. Artung! J'ai pas fait allemand. Personne ici. Merde, mais comment on va, c'est vrai. Pas un pistolet. J'ai encore plus badass que deux pistolets. J'ai deux armes. C'est moi. Non, j'ai pas demandé ça. J'ai demandé ça. Faut pas que je me fasse avoir parce que là. Le mec il reste au calme. Le mec reste de dos alors que la bataille elle est là-bas. Vous êtes cons les gars. Ah bah je comprends pourquoi vous avez perdu la guerre. Ah! Bonjour mon général. Vous allez bien? Mon général. Air général. Ah ouais. Je crois qu'il est très très con hein, comme général. Lol. Attends, je me rappelle d'une arme. Attends, il n'y avait pas une arme ici, le bâtard. Putain, elle était résistant, hein, ma main. Moi, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais quoi? Voilà, des grenades. Hein. Moi. Putain, je le répéterai encore et toujours, ce jeu est magnifique. On serait vraiment dans les chantiers. Moi, voilà, toi, t'appelles pas de renfort. Crève, merde. Le mec a envoyé des renforts, mais il est mort. Aïe. Oh oui, oh c'est ça que je cherchais. Excuse-moi. Coucou. Alors comme ça tu veux me faire chier. Voilà, tu me fais toujours chier là. Petite pute va. Attends, je veux bien ton arme. Ouais ouais ouais, je sais, l'arme. Ça va mec? Tu vas bien ton pied?
Oh. Pas démolir avec ça? Non. Bienvenue dans Doom. Excuse-moi, je voudrais ça, 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 ça. Bon, pour l'instant, le début du jeu est pas forcément très très intéressant. C'est juste la phase tutoriel. Enfin, le tuto dans la guerre. Excuse-moi, vous pouvez pas m'ouvrir ça? Attends, j'ai ouvert. Ah oui! Bombe nécessaire. Ah! Ouais. J'ai pas de bombe. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a des bombes. C'est sûrement pas mes claques-doigts de tout à l'heure là, qui vont faire quelque chose. Excusez-moi. Bonjour. Ce serait pour un renseignement. Auriez-vous des bombes, s'il vous plaît? Attends, toi, t'as pas des... Oui, merci. Un petit casque sur la tête. Ouais, moi, j'ai 36 casques sur la... Je suppose que ça, c'est des bombes. Non, on va pas tirer dessus. Excusez-moi, vous avez pas des... Ah. Non, ça, c'est une trousse. DKM 41113. Ah, ils l'ont appelé tous la même bombe, en fait. Allez, ça. Bombe nécessaire. Me dis pas qu'il faut que je largue un claque d'eau, là, comme j'avais fait tout à l'heure. Moi, je m'écarte, hein, parce que ça, c'est... Ah, c'était pas une bonne idée. Mais ça a marché. Bon bah du coup on va aller là-bas. Hein. J'ai envie de te dire une grenade, si c'est suffisant. En fait ça marchait bien les claques. Bon par contre toi t'es trop gros. T'es moche en plus. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Oui je sais, il y a l'arme, blablabla. Bla, 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 bla. Faut pas que je tire une grenade là-dedans. Excusez-moi. Bonjour. C'était pas là-dedans. Non. Quoi, ça s'est ouvert? Non. J'ai pas de bombe. Nier. Sont où les bombes? Non. Ah, il y a un mur invisible. Bethesda. Vilain garçon. Oh. Attends, je pense que c'est des bombes par terre. Non. C'est le MG 46. Bon, c'est pas grave, hein, les enfants. J'ai envie de vous dire. Je m'en rappelle plus cet endroit. Attends, ça fait un truc spécial pour PS4 ou. What? Attends, on n'est pas déjà dans le. Non. C'est quoi cet endroit? Attends, mais je m'en rappelle même plus de ça. Ah! Attends. Non. C'est quoi cet endroit? What? Attends, me dis pas que c'est la version silencieuse de ouvrir la... Lui, je vais le défoncer. Chut. Ta gueule. T'as rien entendu? Bon, toi par contre. Non! Non! Merci pas. Pour des secondes de sécurité. Merci. Non mais. Non. Nine. Oh la ferme, hein. C'est bon. Moi je suis meilleur au couteau. Voilà. Excuse-moi. Par contre, j'ai vraiment mis en mode difficile ou c'est que je suis fort? Excuse-moi. Pardon. Merci. Voilà. Ça je veux. Non, on va laisser le... oh, je sais pas. Allez. Bon, en tout cas, il n'y a plus d'alarme. Je me sens pas trop en sécurité avec les copains qui sont en train de tirer dessus. Oh merde, faut que je fasse le tour. Les copains, vous tirez pas dessus, hein. Oh. Oula, attendez. Excusez-moi, bonjour. Non, on va pas l'activer pour l'instant. Très belle publicité pour dire que envoyer Hitler sur notre pays, non je sais pas parce qu'il fout la merde. Ça c'est pour mettre des batteries chez toi, je sais pas. Et ça c'est le gros machin qu'on a vu tout à l'heure. Hey Gladios, c'est moi. Oh, c'est moi.
Ah oui, oui, c'est bon, vous me tirez dessus, blablabla, je vous ai vu. Ça existe, bitch. Oh mon gars, comment il a volé. Non. Il n'y a plus personne. Toi là-bas. Là. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Pourquoi? Pour se pendre? C'est bon, j'ai assez de munitions. J'ai les pare-balles quand même. Parce que je sais qu'en haut ça va faire mal. Mademoiselle. Je veux bien la clé de chez toi. Ouh, attends. Un peu de vie. Ah, comme ça tu gâchais de la santé chez toi. Hein. Superbe téléphone en tout cas. Alors. Oh, le gilet pare-balles. Là, la vie. Ça, on est blindé à mort. Faut que j'aille... Là. Putain. Ah, c'est quoi qui me bloque? Bonjour. Excusez-moi, j'ai fait un peu le ménage. Je suis la femme de ménage. Et je vais te tuer. Oh, vous êtes là. Oh putain, ils sont là-bas. Prenez pas la sulfateuse. Nine. J'avance, je suis bourrin moi, je suis... Ah, ouh, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de munitions. Où est la dernière personne? Merci. Voilà. Coucou toi. Coucou. Herr Schmoodle. Nine. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Oh, oh. Non. C'est bon, hein, pas sur moi. C'est bon, j'en ai déjà plus. Non, 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 je vais pas rentrer dedans. Ta mère la grotte. Hein. Ah, je peux pas la prendre l'arme. Oh. Mettez la vidéo sur pause hein, parce que moi j'en ai rien à foutre. J'ai déjà lu tous ces trucs là. Je croyais que c'était un lance-roquette. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. J'ai rien compris. Ah, c'était censé être discret. Plus si discret que ça, hein, en tout cas. Bon. Vous faites pas chier. Oh, oui. Ah merde, j'ai plus de munitions. Wow, 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 il fait mal, il fait mal. J'espère que ça me protégera à temps. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Quoi ce truc là-bas là? Je viens en paix. Non. C'est bon, t'as fini de passer la tondeuse. Nine. Ah tu peux pas là hein. Ah tu peux pas ici hein. Chef. Non mais c'est trop facile. Attends, je vais changer le niveau de jeu là. Ouais, ouais, t'inquiète, je te rejoins à la paroisse. J'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici. Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde. Et mon général. Moi. Badass attitude. Badass, badass. D'où tu me parles comme ça? Moi, monsieur. La la la, je me balade chez les nazis. La 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 la.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. La 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 la. Alors. Oh putain! Non 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 non! Ah! Ah mon pied! Ah! Va chercher. Windows Vista. Prenez ma main, je vais vous aider. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Non, non. Non, non, je te laisserai crever, je te laisserai te faire bouffer, puis moi, je comme tel un bon américain, bah... Oui, oui, c'est bon, je vais aller te chercher, blablabla. Ah merde, j'aurais pu aller chercher les autres trucs là-bas. Non. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Oui, qui sort, celui-là. Soldat Gates, au rapport. Bien, et vous et vous alliés, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch, sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, Vista? Non, j'ai les yeux qui piquent, et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Expire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Ah oui. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors, tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon, allez, on se met en route, allez! Ouais, ça c'est badass. Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Non, mais les filles, c'est pas le moment de discuter là. Une bonne équipe, comme un père et son fils. Putain, c'est triste. Blaskowitz, Gat, Hudson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Et pas que. Vas-y. Bon, eh bien, les amis, c'est sur cet élan d'héroïsme et de patriotisme américain que je vais vous laisser. Ciao, ciao !